Allez-y. Après, je ne sais plus étiqueter en français, mais je ne sais plus comment c'est après, je ne me rappelle pas. Alors, je m'appelle Atina Constantinides. Je suis née le 23 septembre 1918 d'un papa grec et d'une maman française. Je suis née à Charvieux, dans l'Isère, et papa est venu en France pendant la guerre, parce que la France avait demandé du renfort, et papa, qui était soldat à l'époque à Athènes, s'est engagé pour la France, c'est-à-dire la Grèce avait envoyé, et papa s'est engagé avec un copain. En quelle année? En 1916. Il est arrivé en 1916 en France, et puis après, il a eu des problèmes, bien sûr, à la frontière et tout, et avec mon oncle, et ils ont été, donc la France les a mis en arrière pour qu'ils aillent se soigner, et ils sont finalement, à la fin de la guerre, ils ont été libérés, et ils étaient allés à Bordeaux d'abord, et puis de Bordeaux, comme il n'y avait pas avoir beaucoup de travail bien sûr, ils sont venus à Pontchervy et ils ont travaillé tous les deux à l'usine Gramont. Et là, je ne sais pas si je dis maintenant qu'il a fait la connaissance de maman, c'était un peu. Mais mes grands-parents sont arrivés en France en 1922, quand il y a eu les problèmes avec la Turquie. Alors mon grand-père, ma grand-mère, mes deux tantes, Hélène et Atina, et puis Stelios, mon oncle, le frère de papa, qui voulait passer la frontière pour venir en Grèce. Et quand ils sont passés la frontière, comme j'avais mon oncle qui était un jeune homme de 18 ans, je sais pas, Stelios, ils l'ont fusillé devant mes grands-parents parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils sortent de Turquie. Alors là, mes grands-parents sont partis et ils sont allés à Athènes. En quelle année? Mais là, c'était en 1923. Parce que, oui, puisqu'ils sont, ma part les a fait venir en France et mon frère est né en 23 et mes grands-parents sont venus après. Après la naissance de mon frère. En 21, il est né en 21, ton frère? Oui, en 21. Ah oui, c'est vrai. Il est né en 21. Jean est né en 21. Moi, je suis né en 18. Et ils sont venus bon, à Pontchervy, Gramont en Rochet. Leur papa et son grand-père, qui s'appelait Alexandre, se sont fait embaucher là. Et il a fait venir, c'est-à-dire quand ses parents ont été chassés de Turquie, alors ils sont allés à Athènes, en Grèce, chez le frère de mon grand-père. Il y avait un frère et des cousins là-bas. Et ils les ont gardés un jour, et après ils les ont chassés. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de Turcs à Athènes, voilà. Alors donc, ils ont écrit à papa, et papa les a fait venir en France. Il a trouvé du travail à ses deux sœurs chez Gramont. Et donc mes grands-parents avaient un logement chez Gramont, dans la grande maison. Là. Et nous, on habitait aussi dans la grande maison chez Gramont. Et puis après, papa, petit à petit, puis maman, comme ils travaillaient tous les deux, ils ont fait des économies et ils ont fait bâtir la maison qu'on habitait après. Et qu'est-ce que j'allais dire? Après, mes grands-parents vivaient donc dans l'usine Gramont. Après, mes deux tantes, ma tante Hélène et ma tante Atina, se sont mariées avec des Grecs qui habitaient au Réveil. Et puis, ma tante Atina est partie à Alger.
Et maintenant, Hélène est partie en Grèce, à Athènes. Et là, bon, avec son mari, voilà. Et puis, ma grand-mère et mon grand-père sont restés avec nous. Et là, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ce qui s'était passé à la frontière, quand on lui a tué son fils, et puis qu'on les a renvoyés. Ils étaient allés à Athènes, et qu'on les a renvoyés, ils ne les voulaient pas. Ils ne voulaient pas de Turc à Athènes, voilà. Et puis, elle, bon, elle m'a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas, quand elle était jeune fille, qu'elle était bien dans une famille, bien, elle était fille unique, elle était gâtée, enfin bref. Elle m'a raconté sa vie de jeune fille. Et puis après, elle a trouvé mon grand-père. Bon, ben, ils se sont mariés, ils ont eu. Il y avait Costa, Tina, comment elle s'appelait, Sophia. Après Costa, Atina. Après, il y avait un autre garçon, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il est mort. Et après Atina, il y a eu papa. C'était le dernier de la famille qui a tenté l'aide. Voilà. Il a raconté sa vie là-bas, à Smyrne. Ils avaient une maison au bord de la mer. Et bon, ma grand-mère a eu des enfants, bien sûr, et tout. Et ils avaient de la vigne, ils cultivaient, ils faisaient des raisins secs. Il cultivait de la vie. Et puis, bon, bah, tous les enfants sont nés et tout. Et ils ont perdu un fils là-bas, le troisième de la fratrie. Et bon, maintenant, Constant est parti aussi. Il a fait son service militaire à Athènes et après, il est venu en France. Il s'est marié avec une Française. Et après, il est parti de la France, il est parti à Alger. Et là-bas, il a ouvert un commerce, et comme il était pâtissier et confiseur, il a ouvert un magasin, pâtisserie, confiserie. Et il a vécu là-bas. Et mes tantes sont allées habiter là-bas, à Alger. Hélène est partie à Athènes avec son mari, et ma tante Atina est restée à Alger avec son mari. Et puis, ma grand-mère était restée chez nous, avec mon grand-père. Ils sont restés chez nous. Et puis après, mon grand-père a voulu partir pour aider mon oncle. Mon oncle avait besoin de quelqu'un. Alors, il est parti à Alger pour aider mon oncle. Et ma grand-mère est restée avec nous. Et puis, quelques années après, ma tante a appelé sa maman. Elle l'a fait partir, elle l'a appelée à Athènes. Alors, ma grand-mère est partie à Athènes chez sa fille. Bon, mes parents, donc papa... était embauché chez Gramont avec son copain Alexandre. Et puis maman et ses deux sœurs travaillaient aussi chez Gramont dans les bureaux. Et puis bon, ils se sont rencontrés, je ne sais pas, quand ils sortaient du travail. Un jour, maman a perdu son talon. Alors, et puis derrière, il y avait papa et son ami. Alors, mademoiselle, vous avez perdu un talon. Je ne sais pas si c'est intéressant. Si. Alors, il lui a couru après. Et puis, il lui a donné son talon. Et puis, de là, ben voilà, papa s'est tombé amoureux de maman. Et mon oncle est tombé amoureux de ma tante. Et ils se sont mariés. Voilà. Et mon oncle, donc, Alexandre, est reparti, mais à Salonique, chez ses parents. Et ma tante Madeleine, donc, a suivi son mari. Ils sont partis tous les deux, voilà. Et puis papa est resté au réveil. Et comme il avait fait construire la maison, il est resté au réveil. Et puis il y avait ma grand-mère avec nous. Les logements, ben, c'était tous des Grecs. Il y avait des Grecs et des Arméniens au début. Après, il y a les Polonais qui sont venus aussi. Quelques familles polonaises. Et au début, c'était tous des Grecs et des Arméniens qui étaient venus de Turquie. Ils ont d'abord habité dans des caves. Enfin, mes grands-parents ont eu de la chance parce que papa leur a trouvé un logement dans la grande maison de Gramont. Mais les Arméniens qui arrivaient, qui n'avaient pas de famille et tout, ils vivaient dans des caves. Et puis après, petit à petit, Gramont a fait bâtir des maisons à Charvieux pour loger tous les gens qui étaient dans les caves. La maison appartenait à Gramont, la grande maison. Et donc, tous les gens qui étaient dans les caves, des Arméniens, et bien, il y avait même des Grecs, et bien, ont été logés à Charvieux dans les maisons que Gramont avait fait construire. Et puis,
Voilà, la vie a continué comme ça. Moi, j'avais toutes des copines grecques, puisque on habitait le réveil, on partait toutes ensemble à l'école. On avait 3 km à faire pour aller à l'école de Charvieux. Et puis, j'ai bien vécu. Après, papa avait fait bâtir la maison. Et après, il a acheté un morceau de terrain qui longeait la maison. Et il a fait construire une salle de danse immense. Alors là, toutes les fêtes des écoles se faisaient chez nous. Et toutes les fêtes, quand il y avait des gens qui voulaient monter un théâtre ou je ne sais pas quoi, ça se faisait tout à la maison. Et tous les dimanches, il y avait bal. Le samedi soir aussi, puis le dimanche, il y avait bal. Et puis, il y a des danseurs, il y avait Emmanuel Hides, qui avait été champion du monde de danse, qui sont venus faire des démonstrations, ils ont dansé là et tout, et ils venaient des gens de Lyon, de partout, ils venaient à la salle, puis toutes les fêtes des écoles se faisaient là, il y avait une scène, papa avait fait quelque chose de bien, et puis voilà, on a vécu comme ça, puis papa lui a bien travaillé, il a fait 18 ans, il avait 14 ans. Il a fait 14 enfants. Il a bien travaillé. Puis moi, j'étais l'aînée de 14. Non, j'avais beaucoup de travail. Et puis, voilà, je continuais à aller à l'école, bien sûr. Puis après, on a mis habiter Lyon. Parce que le Grammont fermait petit à petit. Parce qu'il y avait après, il y avait une autre usine qui s'était montée, qui s'appelait Pirelli. Qui faisait des pneus, faisait des pneus de voiture. Et petit à petit, ça arrivait du monde. Et puis ça, en 34, 35, ça a commencé à. Il y a eu des grèves, des machins, ça a commencé à mal marcher dans les usines. Alors ils ont fermé, Pirelli a fermé. Et puis Grammont, petit à petit, a fermé des ateliers et tout. Alors bien sûr, tout le monde est parti. Puis papa, on ne pouvait pas, on faisait beaucoup de crédit, vous savez. Il avait fait faire des pièces à son nom, en métal. Et puis on nous payait avec ça. Mais à la fin du mois, il fallait qu'il nous rende ça, puis nous donner des billets. Alors ça a commencé à mal marcher. Il y avait à 36, après, il y avait des grèves avec tout ça. Et on est venu habiter Lyon, là il a ouvert un commerce, une épicerie. Et puis à Charvieux, au réveil aussi, on avait une épicerie et un café. Et la salle de danse. Alors mes parents ne travaillaient plus à l'usine, bien sûr, ils se sont occupés de leur commerce. Voilà, pour vous parler, ma grand-mère, c'était avec ma grand-mère, on était très proche, parce que je parlais bien grec à l'époque, et puis elle m'apprenait aussi. Alors, c'est elle qui m'a raconté tout ce qui s'était passé en Turquie. Parce que papa n'en a jamais voulu parler, elle n'en a jamais parlé, jamais. Il ne voulait plus parler du tout de la Turquie, de la Grèce. Quand il a su que mes grands-parents avaient été renvoyés parce qu'ils ne voulaient pas de Turcs en Grèce, il n'est plus retourné, ça a été fini. Alors je lui disais des fois, papa, emmène-nous en Grèce, on aimerait bien connaître ton pays. Non, c'est pas. Vous irez quand vous serez grand si vous voulez, mais moi je ne vais plus y retourner. Il n'est plus retourné. Ça a été un gros chagrin pour lui. Alors ma grand-mère, bien sûr, regrettait sa maison en Turquie et tout, parce que ça l'a changé complètement ici. Mais elle m'a raconté tout un tas de choses. Elle m'apprenait des chansons en grec. Elle aimait bien me raconter Puis elle était fille unique, elle n'avait pas de frère ni sœur. Je l'aimais bien, elle était très douce. Fotini, ça s'appelait Fotini. Il y avait une église, parce que Grammont avait fait bâtir une église derrière le réveil. Ça faisait une petite colline, et il avait fait bâtir une église orthodoxe, là.
Alors on allait là, puis on apprenait la messe, et puis on chantait, on apprenait des chants grecs, voilà. Et ma grand-mère m'a appris des chants grecs aussi. Je m'en rappelle de quelques-uns. Puis avec la salle, tous les Grecs qui venaient pour danser et tout, j'ai appris le grec avec eux. Et puis quand on est arrivé à Lyon, j'ai dit à papa, je voudrais bien apprendre à lire et à écrire le grec. Alors, il m'a dit, ben écoute, je vais voir si je peux faire quelque chose. Et puis, il a demandé au consul, et le consul a envoyé son secrétaire, comment il s'appelait déjà, je ne me rappelle plus, Costa, je ne me rappelle plus. Et il envoyait son secrétaire une fois par semaine pour donner des cours de grec. Alors, il m'a appris à lire et à écrire, parce que papa n'avait pas le temps, lui. Alors, le soir, il me demandait ce que j'avais fait, quoi, tout ça, puis je lui disais, alors il disait, oui, c'est bien, continue, puis voilà. Mais il n'y a que moi qui ai eu quelqu'un qui m'apprenne le grec. Mes frères et sœurs, non. Voilà, c'est tout. Oui, c'était tous des réfugiés, c'était tous des Grecs, alors on était forcés d'apprendre le grec. Alors, on parlait ensemble et tout, on partait à l'école, bon, à l'école, on parlait français, bien sûr. Mais autrement, toutes mes copines, c'était toutes des Grecs, des jeunes filles grecques, et puis des garçons grecs, quoi, tout ça. On allait tous ensemble à l'école. Et autrement, au réveil, enfin, tant que j'étais à Pontchirouille, j'ai pas appris le grec avec un professeur ou quelqu'un de compétent. J'ai appris le grec avec ma grand-mère, qui était d'ailleurs assez lettrée, si je peux le dire, parce qu'elle m'avait appris beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais autrement, à part ma grand-mère, parce que le parcours, il était dur. C'était un homme grand, maigre, et puis très dur. Il ne nous permettait pas de rire, pas de sortir. C'est vrai, il était très dur. Tandis que ma grand-mère était une femme douce, tout, c'était pas pareil. Alors je vais vous raconter une anecdote avec mon grand-père. Il avait pris mon frère qui était après moi, il l'avait pris il l'avait pris sous son aile, voilà. Il s'occupait de lui, alors il lui apprenait à parler, il lui apprenait le grec, tout ça. Et puis un jour il va pour planter des melons. Dans le jardin, il plantait des graines de melon. Puis mon petit frère le suivait partout, alors il regardait ses graines de melon. Alors il lui disait, papou, comment ça va faire pour pousser? Alors mon grand-père lui expliquait, mais en grec qu'il lui parlait, hein, parce qu'il ne parlait pas français, mon grand-père. Alors il lui disait, ta canne mia risa. Il sait pas pour qui risa, ta canne to peponi. Alors mon frère, alors tous les jours, il prenait des graines de riz dans le magasin, puis il allait mettre les graines de riz vers les machines de melon. Alors un jour, mon grand-père le voit faire, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu plantes du riz? Il dit, mais non, tu m'as dit que c'était le riz qui faisait pousser les melons. Il y a des petites anecdotes comme ça avec mon grand-père. Et lui, c'était les garçons, hein, les filles. C'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Marie-Louise était trop jeune, elle ne se rappelait pas de ma grand-mère. Ma sœur est née en 1923, elle ne se rappelle pas du tout de ma grand-mère. Alors, j'ai gardé des souvenirs parce qu'elle m'a appris des choses comme ça, mais étonnant. C'est plus du tout la même vie. Hein. Nous, avec les enfants grecs, c'était tout des mélanges. Enfin, il y avait les enfants grecs purs, et les parents étaient grecs tous les deux. Mais on ne faisait pas de préférence, on vivait tous ensemble. On n'était pas... Puis ce que j'aimais au réveil, c'est qu'il y avait les Doriotis, il y avait les Mamensis, qui habitaient dans le grand réveil. Et ils jouaient de la guitare. Et tous les soirs, tout le monde se mettait des chaises sur les trottoirs. Et les hommes, ben, jouaient de la guitare, puis les femmes chantaient.
Là, c'était bien, le soir, c'était pas mal. Il y avait beaucoup de... Oh, j'avais bien l'ambiance. Maintenant, je dis aux jeunes, les jeunes n'ont plus la même vie que nous. Ils ne pourraient pas, je ne crois pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a manqué de... On a eu beaucoup de choses, mais on a manqué beaucoup de choses aussi. Et donc là, vous avez un objet qui vient de l'Asie mineure. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Yaya. C'est un moulin à café. Oui. C'est elle qui me l'a donné. Oh, si c'est là, ben c'est que c'est grâce. Mais si une gardienne mou pono, stachilisou, ça y est rasso, va fia, y'a panda pono. Βαθιά για πάντα πονώ. Κλάψε φτωχή μου καρδιά, κλάψε να βρεις γιατριά. Ντροπή στον άνδρα δεν είναι να κλαίει για την αγάπη παλιά. Να κλαίει για την αγάπη παλιά. Στην θάλασσα χειμωνιάζει και εγώ κομμάτια μου δυο. Χάδια φιλιά με χαρίζει και φεύγει κακιά μακριά και φεύγει κακιά μακριά. Κλάψε φλακή μου καρδιά, κλάψε να βρεις γιατριά. Ντροπή στον άνδρα δεν είναι να κλαίει για την αγάπη παλιά. Να κλαίει για την αγάπη παλιά. Και τούτο.